Borne remet des milliers de camions sur les routes en fermant une ligne SNCF et elle est favorable au CETA. Quelle crédibilité a-t-elle en matière d'écologie On n'en a pas suffisamment parlé de cette ligne qui lui sera reprochée, Perpignan-Ringis, où on l'accuse de remettre des camions sur les routes parce que c'était une ligne de fret qui a été fermée. Alors, on, je vais à la fois l'exempter et, et un peu l'accuser. L'exempter, ça fait 30 ans que tous les gouvernements jouent avec le fret ferroviaire des déclarations martiales, c'est très bien de mettre des camions sur les trains, c'est très bien de, 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 de réduire la, la circulation des poids lourds, et en fait personne ne fait rien, et on s'habitue à ce que le fret ferroviaire décline, il est maintenant en dessous de 10% de la part de marché des, des, de circulation des marchandises. Euh, donc ça, elle est, elle est comme les autres, elle n'arrive pas à enrayer le phénomène. Le, le, le problème, c'est que qu'on euh, a changé d'époque, et aujourd'hui, euh, c'est urgent de réduire la circulation des camions pour des questions de pollution, pour des questions de sécurité, pour des questions de coûts d'infrastructure, de santé, etc. Et là, rien n'est vraiment fait. Et euh, l'exemple des atermoiements sur ce fameux train de fruits et légumes qui circule en ce moment à vide, parce que pour ne pas dire qu'il ne circule pas, on le fait circuler à vide. Oui, on, on, a, on, on atteint le point Goldwyn du, du, oui. du débat politique. Donc là, il faut vraiment euh, qu'il y ait une politique de fret ferroviaire, le combiner. Combiné, c'est on met des camions sur les trains, ça a des taux de progression formidables, eh bien encourageons, ça ne coûte pas très cher, c'est très bien du point de vue de l'environnement. Ça fait combien de temps qu'on dit ça Ça fait 40 ans. Voilà. Non donc, mais parce que j'ai eu un oui. doute. Et, voilà. et donc ça. on ne met pas derrière les. Et Bercy bloque aussi, ouais. parce que pour Bercy, le calcul socio-économique, alors ils font toujours très compliqué, mais le calcul socio-économique est en faveur de la route. Donc tant qu'on n'a pas inversé, tant qu'on n'a pas je reparle une fois, de, euh, intégrer les, les bénéfices externes des moyens de transport, eh bien la route gagnera. Et Donc il faut inverser qui, les choses. C'est un marché qui est ouvert à la concurrence et les Français ne sont pas bons là-dessus. Et le gouvernement, a, depuis très longtemps, pas ce gouvernement-là, mais depuis très longtemps, n'a pas su faire les choses pour rendre le fret euh, concurrentiel, le fret français concurrentiel. Comment peut-on gérer correctement deux ministères sans qu'au moins l'un d'eux en pâtisse ça, c'est vous savez. Il euh, faut être bien entouré. Oui, il faut être très bien entouré. Très, vous avez eu des, des ministres qui étaient à la fois ministre de l'économie et des finances, euh, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu une nouveauté. Il faut qu'elle soit très bien entourée, effectivement. Non. Il va y avoir un problème de périmètre de, euh, de collaborateurs parce que normalement. Elle a le droit à moins de collaborateurs à l'écologie qu'un ministre d'État. Et Jean-Louis Borloo avait le logement en plus des transports, de l'énergie, donc, euh, mais il avait beaucoup, beaucoup plus de collaborateurs plus. que ce qu'on voit aujourd'hui au ministère de l'Environnement. Est-ce l'occasion d'aller vers une écologie rationnelle, pragmatique, plutôt qu'une écologie idéologique et utopique Elle est intéressante cette question, Rémi ce que tout le monde Elles commence. sont toutes intéressantes les questions, mais celle-ci nous interpelle un, un peu. C'est ce monde... la fin de l'idéologie bah, J'en sais rien si c'est la fin de l'idéologie. Mais... Sur la façon de gérer en tout cas les questions le... écologiques. Oui, l'écologie a trop souffert d'idéologie jusqu'à présent, euh... y compris contre d'ailleurs. Hein. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique et l'exemple du Permafrost montre qu'il faut y aller. Le projet de loi sur l'économie circulaire pour moi est absolument est très intéressant. Pourquoi Parce que c'est un projet de loi qui va coûter zéro aux finances publiques, où on va tout demander aux entreprises, de manière assez juste à mon avis. Mais c'est très intéressant de voir effectivement l'État qui essaye aujourd'hui de mobiliser d'autres acteurs qui effectivement se regardent en chien de faïence, se rejettent la responsabilité. C'est ta responsabilité, toi et toi. D'ailleurs, je vais faire un procès, c'est ta responsabilité, ton entreprise. Et là, en fait, il veut mobiliser les entreprises. Alors, il y a quelques carottes, mais c'est vrai que grosso modo, l'État aujourd'hui, dans ce projet de loi, Appelle d'abord les entreprises à donner le mouvement. Et les consommateurs. Oui, quand Les même. consommateurs, bien entendu. Et les consommateurs, oui. sur la consigne, c'est quand même d'abord le consommateur qui va sortir les premiers centimes sur la consigne de la bouteille plastique. en plastique, qui est quelque chose de très concret hein, ah pour oui. le coup. Je les déchets, c'est très, très pratique. C'est au niveau degré 0 ou 0,1 de, de l'écologie. Oui. Personne ne veut de déchets abandonnés à côté de chez soi. On veut une nature belle et sauvage. Euh, donc, euh, la, rapporter sa bouteille en plastique, qui ne s'est pas ému de voir des bouteilles en plastique sur la plage, le soir ou sur les quais parisiens peut-être après les week-ends. Donc l'idée c'est de faire payer quelques centimes au consommateur pour qu'il rapporte sa bouteille, qu'elle soit voilà qu'elle soit consignée. Après, Donc ça on va le faire payer, mais on lui demandera, il pourra les récupérer s'il joue il jeu de la consigne. Il peut récupérer sa consigne. La question c'est comment ça se met en place. Il y a un comité de pilotage et puis il y a un certain nombre d'élus locaux qui s'inquiètent de voir que ce plastique qui est valorisable qui peut être revendu pour refaire une bouteille en plastique, hein, pas des centaines de bouteilles en plastique non plus, hein, c'est pas à l'infini, euh, va leur échapper en fait Et comment ils vont financer le ramassage de ça nos déchets, possible, des autres déchets qui eux ne sont pas valorisables Que reste-t-il du projet écologique annoncé lors de la nomination de Nicolas Hulot est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'il y a eu des ruptures avec le départ de Nicolas Hulot puis le départ de François de Sincèrement, je ne sais pas quel était le projet avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot a été nommé parce qu'il s'appelait Nicolas Hulot et qu'il avait derrière lui une image très populaire. Pour entraîner les Français. Pour entraîner les Français. La campagne, la campagne électorale de Macron, il mmh. n'y a pas grand-chose qui relève de l'écologie dedans. Enfin, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne très forte, comme d'ailleurs pour ses deux prédécesseurs. Hein. Mmh. Euh, donc... Euh, Hulot, il s'est heurté à. Justement, il n'a pas réussi à convertir, je dirais, au pragmatisme euh, ses, ses convictions. Combien de temps avant que les médias ne fouillent dans le passé de Borne pour lui trouver des casseroles Et Eh bien, c'est déjà fait, puisque vous disiez tout à l'heure. le que... d'abord que commencer, je pense. Le, le gouvernement. Mourir. Parce qu'effectivement, bah, oui, son la, profil est passé est par... Passé, bah est, je crois que c'est pour ça que la nomination est allée aussi vite. C'est parce ouais. qu'elle, au moins, elle avait soumis sa déclaration de patrimoine. Euh, tout était euh, déclaré a pu être passé au crible assez rapidement pour se dire cette fois, on n'aura pas un problème de probité. C'est visiblement ce qui pêche à chaque fois euh, sur ce ministère-là. Quels sont les vrais pouvoirs du ministre de la Transition écologique et solidaire ils sont très importants. Ils sont très très importants. D'abord, ils pilotent un grand nombre d'administrations centrales. Moins le logement, ça effectivement c'est un vrai problème. Enfin, c'est une foule de fonctionnaires et de décisions à prendre au quotidien. Au sein du gouvernement, ils pèsent aussi. Ils ont l'un des budgets les, les plus importants. Et puis, ça concerne toutes les strates de la société, de la commune jusqu'au national et à l'international. Aucun ministère presse n'agit avec un, un champ d'application aussi vaste. Le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réalisation concrète. Parce que vous parliez du bilan, oui. il n'y en a pas pour l'instant. Le bilan de François Draghi, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron qui pour l'instant est très très vide, beaucoup de déclarations et peu de réalisations, il serait temps de s'y mettre ouais. Pour les politiques au pouvoir, l'écologie n'est-elle pas qu'une variable d'ajustement à visée électorale Jusqu'à si, présent si. ça a quand même beaucoup été ça là, ça, ça a été ça jusqu'à présent, sauf que là Emmanuel Macron prend un risque qui va peut-être se retourner contre lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va peut-être changer et Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission merci. qui sera rediffusée merci. ce soir à 22h40, on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air, belle soirée sur France soir, 5